on est dans un dirigeable du Ocean Museum en Australie, je tiens à rappeler. Et que du coup, ben, apparemment, il y a un truc, apparemment, il y a peut-être possibilité que les CCM se trouvent dans ces dirigeables-là. Il y en a 4, je vous rappelle. Ben, peut-être qu'on essaiera, je veux dire, de désactiver les 4 dans cet épisode. Mais à mon avis, j'ai bien essayé, mais je suis pas sûr. Cela de Seacraft, Lego Seacraft, on est pour l'épisode sur WCKW ou LBXW pour préciser. Et j'ai carrément oublié un truc que j'ai oublié de rajouter. Mais si l'Australie, j'ai fait déjà mes références là-dessus, ben, pour les autres références, il y a 2 youtubeurs Nathan que je connais. Je m'en bats les couilles, frère. C'est pas je m'en bats les couilles. C'est vraiment il y en a 2. Il y a quand par exemple celui-ci qui est le plus connu. I can't. I'm busy working on my ultimate video. SMG4 avec Glitch Production. Mais surtout que celui qui est encore plus connu, mais surtout que c'est plus dans le How to Basic. Hein. Alors lui, il aime bien casser des œufs, il aime bien tout faire péter. Hein. Pas cette manière-là. Bon, allez, on y va. Bon, alors, c'est qui qu'on va affronter, alors? Qui est-ce? Et je crains le pire. Attends, Hans Gordon? C'est lui? Non, tu vas pas dire qu'on va faire un combat avec lui? Ta-ta-ta-ta! Il est devenu un détecteur. Il est devenu contrôlé. En gros, il est un peu dans ce côté où il est ingouvernable. Ingouvernable, mon cul. Hein. Et donc, du coup, ben... Le truc là, c'est que y a pas ton choix. Pour le libérer, il faudra le battre. Alors, ok, alors attention, il est 37, il a son BX, mais il est avec deux autres. Alors, je sens que je vais me faire mais botter le cul, hein. Botter le cul, hein. Je sens que ça va saigner grave. Mais attends quand même. D'ailleurs, je suis en train d'y penser, mais. Ouais, de l'huile. Hiro. Donc. Ah, il est là. Allez hop, de l'huile. Comme ça, on est bien remis à flot. J'ai toujours hésité en soi, mais je pourrais pas ajouter un autre. Non. Allez, peut-être je mets celui-là. T'es sûr que je peux pas mettre autre chose, par contre? Ou c'est seulement une seule attaque que je peux mettre, en fait, sur l'un des deux? Non, tu peux en mettre qu'un seul. Et donc, du coup... Alors ça, c'est les flingues, c'est clair. Celui-là. Non, ok, bon. Bah, en ces cas, faudrait, je pense, ça peut upgrader. Mais après, je peux pas non plus, je peux dire tout démolir. Et sinon, voyons voir. Qu'est-ce que je peux acheter d'autre? En ces cas, faudra ajouter beaucoup de soins parce que je sens qu'on va se faire mais poutrer. Poutrer, j'en parle pas. Et allez. C'est parti. Et au risque et péril. Je sens qu'on va se faire mais démonter. Hein. Combien je parie? Allez, c'est parti! Allez, c'est parti! Je sais pas combien de dégâts il fait, mais il va me poutrer la gueule! Et par contre, ils sont vachement résistants! Hein. Attends, protection! Allez! Allez, hop! Ok, donc ça, c'est le paralyseur! Bon, attends. Il y en a trop! Je vais faire démonter, moi. Et... Ah, trop chaud! Trop chaud! Ah, mais si j'ai trop chaud, je peux pas attaquer, c'est ça? Attends. Non, pas tout de suite. Non, c'est bon. RS. Bon, je sens qu'on va se faire mais démonter, hein. Bon, allez. Bon, après, clairement, le seul truc, c'est d'essayer de survivre, hein. Attends. Mange ça. Capte 2 secondes. Mais, ok, oui, donc, en gros, le truc, c'est qu'en gros... Dans un des dirigeables, il y a un des amis de Ban qui a été transformé en détecteur et qui du coup est devenu... voilà. Alors voilà, alors attention. Attends quand même. Voilà. Fais pas le fifou par contre. Le fifou. Alors tant qu'il y en a un qui tire à distance et qu'il y en a un de chacun qui s'en occupe, ça y va. Parce que j'ai pas vu que t'as toute l'armée qui vient là, mais... Tu fais mais poutrer la gueule, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Bon, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule là? Bon allez, celui-là il est presque mort. Et allez, je vais te finir moi. C'est bon.
On va prendre lui. Allez, jouons les petits flingues. Attends. On va prendre. Soin. Alors recharge, recharge, recharge. Un petit soin par contre. Bon, par contre là. Pas tout de suite. Ah mais attends une minute. Côté, côté, côté. Alors attention, il y a des mines. Il y a des mines, il y a des mines. Et j'ai plus rien. Donc là, carrément, si il meurt, c'est la mort. Deux secondes, là. Pas en tâche vite, je cours. Voilà, mange-toi ça. Oh, oh. Ah, la zone, la zone, la zone. Foutez tous le camp. Attention, ça va faire boum. Bon, au nom de Dieu, je vais me faire torcher à force. Bon, ouais, pas d'autre choix. C'est soit je survis et je suis un warrior, ou soit vraiment là, je vais me faire défoncer. Je vais me laisser. Me bousser mine en plus. Bon, là, carrément, je vais faire un retry là. Hein. Parce que là, carrément, je peux rien. Et non, mais carrément, faut racheter des équipements en plus. Parce que là, carrément, je sens que je vais faire mes bolosser, défoncer tout ce que tu veux. Hein. Alors là, carrément, faudra 6P. Hein. Attends, recule un peu. Je crois que je vais plutôt m'occuper de lui parce que c'est lui qui est le plus bas. Alors attends quand même. Attention quand même. Oh non de Dieu. Je me prends un coup, je meurs. Ah non mais je suis mort. Hein. J'ai été baisé direct. Hein. Oh ça va pas être facile hein. Ok, donc là je sens que je vais faire me défoncer. Non, attends. Attends, réfléchis. Bah non, attends. Changeons un peu et jouons plutôt avec Hiro. Voyons voir s'il a plus de marge lui. Et tant que j'y suis, voyons voir. Ah, mais c'est vrai qu'il a pas d'attaque lui, j'en ai pas foutu une. Je mets laquelle? Bon, allez, je mets celui-là. Bon, bah, ça coûtera 2. Je peux en quand même mettre un. Non, tu peux en mettre qu'un seul. Bon, très bien. Allez, bon, au moins je peux dire il a ceci et enfin une attaque spéciale. Ouais, il a des trucs de soin, trucs de soin. Ok, mais ce qu'il me faut, c'est quelque chose qui défonce. Du coup, on va mettre ça. Et ensuite, pour ban, c'est vrai, j'ai foutu ces trucs. Mais en fait, le truc des mines là, ça sert à rien du tout. Du coup, je peux foutre quoi d'autre? Ouais, tu vas plutôt foutre ceci. Et allons voir ce que ça donne. Allez, on est parti pour le deuxième round. Ah mais là carrément ça va être... On va se faire mais démolir, défoncer ce que tu veux hein. Bui. Allez c'est parti. Alors attention. Allez hop. Ça va te défoncer, mais pas trop non plus. Voilà, temporise. Par contre, reculons un peu et tirons. Attends. Hop. Ah ok, c'est ça. Et ça c'est les... Bon mais, au nom de Dieu, je brûle. En gros, je peux plus attaquer. Moi je propose de faire un jeu Mario où on peut pas sauter. C'est une bonne idée aussi, non? Il me faut un truc de soin. Allez, toi, je vais te défoncer. Allez. Allez hop. Allez hop. Tac, 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 tac. Allez. Défonçage.
Voyez, au moins il y en a un qui sera démonté. Ça sera réglé. Lui, il fait vraiment brûler. C'est peut-être à cause de lui ou que par contre il met brûlure et que je peux plus attaquer par la suite. Mais lui, il pose des mines là. Hein. Réfléchis bien, réfléchis. Temporise, temporise. Fonce pas dans le tas non plus. Et au coup, peut-être d'un gars pour descendre sa vie. Et celui qui est le plus bas, tu l'élimines. Comme ça, au moins, tu as plus de chance, je peux dire là, pour attaquer les autres. Et surtout, tu ne seras plus trop emmerdé. Aïe. Toi, je te capte 2 secondes, hein. Alors, lui, c'est carrément le truc où c'est Wolverine. Lui, il défonce tout, hein. Enfin, il tranche tout. Allez, hop. Out. Allez, hop. Quoi ? Tu vas te capter 2 secondes, là. Voilà. Quand tu temporises et que tu vas pas trop à fond, et surtout que tu coordonnes bien, et bah là, tu pourras éliminer plus facilement. Oui. Allons aider notre ami par contre. Allons l'aider. Et hop. Et c'est parti pour le défoncer. Non, 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 non. Attends. Bouclier, bouclier, bouclier. Allez, défonce, 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 défonce. Mm-hmm. Et c'est clair que par quand tu as, je peux dire, un peu plus. Alors des attaques spéciales, là c'est clair que ça fait beaucoup plus de dégâts. Et c'est bon, on l'a battu. Ouh, c'est chaud. Bon, au moins, on a réussi. Par contre, pour gagner des points de compétences là, mais ça va être violent. C'est clair qu'il faudra faire des vestes qui ont un peu partout. Mais attends, c'est pas pour le moment. Voilà, et donc du coup, on les a battus. Et donc, c'est au tour d'entre Yuya et Jin d'y aller. Donc normalement, ils sont dirigeables numéro 2. Au numéro 2, exactement. Bon, attends, on fait tourner une sauvegarde parce que je sens que si je meurs, que t'as pas sauvegardé, tu dois tout te retaper. Alors, toujours faire part une sauvegarde quand tu vois un même matos, hein. Enfin, un même matos S, apparemment. Bon, allez, c'est qui le suivant? Oh non, ok. Donc, après Hans Gordon, on a Dag Sando. Alors, lui, je sens qu'il va nous jouer un mauvais tour, hein. Et il sort sa, carrément sa carte en mode Joker. Alors. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Bon, allez. Bon, à ton choix, hein. Bon, là, carrément, t'as entre Jin et Yuya qui sont ensemble. Donc, c'est carrément le truc du combat entre frères. Oui, du combat entre frères. Allez. Allons-y, hein. Mais par contre, j'avoue que... Je sais plus, par contre, comment c'était avec eux, mais... Je crois bien que... Ah, oui, merde. C'est-à-dire que j'ai carrément oublié des XP. Du coup, ce qui fait que, genre, ben... Merde! Oh, c'est con ça! Attends, je vais mettre Yuya en premier parce que lui il a plus de XP, il fait plus de dégâts, mais attends. Tant que j'y suis, on va les mettre un peu aussi avec le truc de CC et donner des sortes de combats. Et alors lui, il a une épée et je lui donne quoi? Je lui mettrai ça. Mais après, quand c'est un truc de flingue. Non, je pourrais pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre alors? Comme si c'était un meuf. Alors, on va plutôt mettre ceci. Et du coup, on va mettre un peu de cela. Tu mets ça, voilà. Et du coup, bah, on va mettre carrément entre du L et du S. Hein, parce que je sens que sinon, je vais me faire. Mais on va se faire démolir plutôt. Oui, je dis on parce qu'on est plusieurs. Hein. Si je dis je, c'est carrément on est nous. Et du coup, on met tout ceci. Par contre, ça coûtera 3. Hein. Ça coûtera 3. Bon. Allez, allons-y. C'est parti, mon kiki. On va se faire démolir encore. Hein. Ah ou? Ok, mais eux, ils balancent des missiles qui vont te faire là, comme des sortes d'explosions. Réfléchis bien, réfléchis bien. Je vais plutôt m'occuper de lui. Allez hop, on les défonce, on les défonce. Mais bon, en tout cas, ce Yubi, lui, il est bien rapide. Hop.
un de réglé. Allez hop. Allez, on taille là. Découpons. Et tac 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 tac. Quoi, t'en réfléchis? Bah, testons ça. Testons voir. Allez hop. Réfléchis bien. Alors du soin, il faudra en prendre. Mais d'abord attends. Réfléchis. Passons patiente. Ils disent pas trop l'attention non plus. Enfin, l'attention, pas l'attention. Hop. Réfléchis. Bon, par contre, Jane lui s'occupe bien avec son triton, mais on va se faire débusquer, hein. Arrête de sauter partout. Bon, attends, bon là c'est carrément Bon là je suis trop bas de la life. Et hop, du soin. Et hop. C'est quoi, c'est le dernier? J'ai l'impression que c'est le dernier. Attends, réfléchis. Attends. Et voilà. C'était le dernier, je me disais bien. Et bah la vache. Alors, on a gagné des points. Alors surtout Yuya qui a gagné des points. Et on soit assez XP, mais c'est pas suffisant, hein. Ok, lapin, on est avec donc Amy Kawamura. Ou Amy Cohen. Alors attention, c'est Amy avec A-I. Non, c'est A-M-I, pas A-M-Y. Bon, attends. Je sauvegarde. Donc là, bien sûr, toujours faire sauvegarde, c'est toujours important. Et bien sûr, Amy Kawamura rejoint enfin le troupeau. Enfin, notre troupeau. Ah oui, et bien sûr. Je tiens à rappeler que sa petite amie de Bayameno. J'ai déjà dit une fois, je rajoute un peu une couche pour un petit rappel. Bon, qui c'est? Oh, mais attends, c'est le Nabo, ça. Je suis pas un Nabo. Bon, je rajoute une couche. Ah, par contre, lui, il s'appelle Yamaneko. Pour Dieu sait quelle raison. Oui, il s'appelle Yamaneko. Bon, et son nom d'hub, c'est Bobcat. Bon. Qu'est-ce qu'il y a encore foutu lui? Mais par contre, c'est celui qui est dans la saison 1. Et par contre, c'est celui dans le combat de l'arène. Hein. Ah, et par contre, Amy, lui, il est accompagné avec Eiji. Bon. Bon, prêt. On y va. Il t'en réglé sa fonction compte alors. Mais non, du coup, j'avoue qu'en gros, donc, on va jouer donc avec le LBX de Amy. Ah ok, elle est niveau 35, d'accord. Et par contre, Edgy lui, il a un déloc. Enfin, un déco, un truc du genre. Bon, enfin bref. Il a son propre LBX. Bon, allez. C'est parti. C'est parti. Oui. Mais arrêtez de me boutrer, vous deux. Putain, mais il me fait défoncer, là, hein. Ok, alors attends. Non, mieux vaut prendre les lames que ses points. Ok, bon là je joue un peu avec son gameplay à elle et attends une minute. Ah, j'ai oublié de rajouter des items. Donc je sais que si je meurs, je vais en rajouter un. Donc là, je sens qu'on va se faire mais boulosser. Alors attends. Ah, moi d'abord le soin. Et allons-y. Arrête de me poutrer comme ceci. Et du coup, on croche avec nos petits couteaux. Les petits couteaux. Hop. Alors attends, t'en penses quand même, hein. Fais pas trop le filou. Et allons aider notre collègue qui se fait bullir. Eux, ils sont vachement rapides, hein. Allez hop. Oh, je vais me faire défoncer. Et je suis mort. Eh merde. Fais chier. Bon attends, je recommence. Mais par contre, je vais prendre du soin. Hein. Du soin. Alors pour rappel, c'est ici. Et donc voyons voir. Bah oui. Allez hop. Mettons plutôt celui-ci. Donc ça prendra 2. Et par contre, il faudra mettre du soin. Je vais ressembler un peu par là. Voilà. Bon, allez. On y va. Retournons à la bagarre.
Et je rappelle qu'on n'est pas rendu au troisième dérisable toujours. Hein. On est au troisième, je rappelle. Du coup, allons-y. C'est parti. Allez. On défonce. Ah, bien sûr, c'est Koichi. Hein. Attends. Kunyonichi, un truc du jeu. Bon, enfin, j'essaie de prononcer le nom correctement, mais c'est clair que quand tu apprends pas le mot tout de suite, tu fais carrément à la blablabla, c'est clair là que tu te prends vraiment comme un idiot. Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Bon, alors, par contre, là, carrément, ça fait bien bobo. Hein. Ça fait bien mal, surtout. Alors, non, pas tout de suite. Plutôt, si tu veux attendre que tout soit bien rempli pour tester la deuxième attaque. Voilà, ça c'est réglé. Et hop. Tac. Aïe, ouille. Tac. Voilà, c'est plus carrément, je veux dire, une sorte de bourrinage en soi. Enfin, de bouton machine. Attends, laisse relever ton adversaire et ensuite tu le poutres. Et voilà. Bon, ouch. Ah, au secours, j'ai mangé sur une mine encore. Une mine. J'en ai marre, hein. Bon, allez. C'est parti. Boum, et un gros boum. Et je profite de finir. Et enfin, c'est réglé. Parfait, enfin. Ouh. Bon, au moins c'est bon et on s'XP. Parfait. Ah, et donc du coup maintenant on est entre Ren et Jessica. Bah, le duo girl en soi. Alors attends. D'abord, quand même, on fait une sauvegarde. Et donc normalement c'est le quatrième et dernier dirigeable. Donc normalement, est-ce que. Ok, si je pense normalement, ça serait. Ah, ok. Et donc en gros, c'est l'un des clans des Aura Otaku. Enfin, du maître Otaku. Donc, du coup, il y a eu un truc là où t'avais normalement le rouge, qui est celui qui est révélateur, et c'est lui qui s'appelle Eugène, ou Ma. Et. Non. Il s'appelle bien Eugène, mais son vrai nom, c'est Eugene. Eugene. T'as bien, t'as le aura orange, t'as le jaune, t'as normalement le. Attends. T'as normalement le rose, oui. T'as le bleu, t'as le noir. Et donc, normalement, elle, c'est celle qui est un peu grisâtre. Allez, on y va. Allez, c'est parti. C'est à elle donc de poutrer donc sa gueule en soi. Et donc c'est elle bien sûr qui a été mis en détecteur. Donc en gros tu as Hans Gordon, Jill Kaido, tu as Yamaneko et t'as donc la aura grise. C'est explique tout. Et là tiens, on va essayer d'expliquer un peu Jessica Kaido. Du coup on va plutôt mettre dans ce rang là. Par contre comme toujours, à pas oublier de mettre quelques attaques. Je mets quoi pour un. Tiens, je vais mettre celui-ci. Et donc, du coup, qu'est-ce que je peux mettre par là? On va mettre du S. Oui. Et donc là, on va mettre du. Oh, tiens, je vais tester celui-là. Bon, par contre, là, ça n'a qu'à une seule et unique chance. Et bien, entre pour Ren. Ouais, pour Ren, on va le mettre. On va y mettre ceci. Hop. Et mettons celui-là. Voilà. Bon. Allez. On y a en gros normalement qui est pour le. Bah normalement, le dernier dirigeable. Et par contre, mais je sens qu'on va se faire mais molester encore. Hein. On va se faire poutrer. C'est parti. Ah non mais flingue là, il sert à rien du tout. Hein. Ça fait que pouic. Mais retourne, recharge. Recharge. Et hop. Bon, pas d'autre choix. Oh, gros sable de bébé. Et hop. Gros sable de bébé là. Avec un dernier coup là. Attends. Tu viens par là que je te défonce là. Hop. Et.
Voilà, 100 pour tout le monde. Ok, mais on va se faire défoncer, hein. Attends. Attention, attention. J'en ai plus beaucoup par contre. Allez hop. Attention, 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 attention. Pourtant je peux plutôt m'occuper de toi là. Parce que toi tu l'as plus relou, hein. Oh oh. Oh oh, je suis dernier. Et... Faut prendre vite. Distance, distance, distance. Bon, on a éliminé un, mais j'étais mort totalement. J'étais totalement mort en plus. Bon, au moins là, on a buté un. Relou. Bon, attends. Essayons de... Non, pas d'autre choix. Bon, attends. Puisque c'est comme ça, jouons un peu à la manière d'un bebeu et prenons Ren Anasaki. C'est parti. Je vais tout défoncer, moi. Bah tiens, pour le coup je vais m'en accélérer. Mais c'est parti pour tout défoncer. Défoncer encore, mais c'est relou là. Bon, je sais que j'ai pas d'autre choix. C'est carrément, tu expectes pas tes BX là, tu vas te faire pouter pouter encore encore. Sauf que moi, je suis plus un joueur au roux qui essaie de recommencer encore au cœur jusqu'à ce que ça passe. Mais arrêtez avec votre C4 aussi, la bande de malades. Oui, bah on passe, hein. Bah quitte à tout recommencer encore, bah on défonce. Bah tant que j'y suis, y a pas un truc meilleur que je pourrais donner. Voyons voir. Ah, c'est vrai que j'ai ça. Et, attends juste, combien ils font? J'ai l'impression qu'ils font un truc comme ceci. Bon bah tiens, testons cela. Et donc du coup, eh ben, on y retourne pour la... Bah non, pour la troisième, hein. On est mort une fois, on se tourne une deuxième fois. Là, c'est la troisième qu'on le fait. Bon, ok, pour qu'on accélère, ça marche pas. Allez. Est-ce que ça marche mieux? Voyons, on sent les grosses larmes là. J'ai hâte de tout trancher, j'ai dit. Allez. Ah non, mais les lames là, carrément, font rien du tout. Hein. Là, carrément, que je suis, il faut vraiment aller dans un shop littéralement pour aller tout encaisser. T'es relou. T'es grave relou. Arrête de bouger. Chérie, t'arrêtes de bouger. Alors, j'en sens plutôt mes petits points là. Mes petits points qui font bien des dégâts là. Je te touche sous moi. Oh, je vais te casser moi, je vais te foncer, hein. Quitte à tout poter, on t'a tapé dans le lard. Enfin, surtout je connais une expression qui dit... ah oui, battre le fer tant qu'il est encore chaud. Non, là c'est carrément tu tapes le feu tant qu'il est encore brûlant. Mais là carrément, là c'est plus là, faut taper tant que le mecha il est pas tombé par terre. Et on continue encore. Oh, aïe 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 aïe, ça va être horrible. Aïe aïe aïe. Ok, bon. Alors, mais carrément, tu es con, c'est qu'on a pas réussi à s'expliquer correctement. Réfléchis, réfléchis. Bon, alors déjà, ok. Alors, j'avoue qu'en termes de points, voilà, mais. Non. Je pense qu'il y a un truc auquel j'ai oublié. Réfléchis, réfléchis, réfléchis.
attends, il y a pas les trucs de moteur là? Non, je comprends avec tant de choses. C'est vrai que c'est pas mal, mais je prendrais plutôt celui-là à la place. Et donc... Non. Bah tiens. Question, voilà. Remplissons tout ce qu'il y a ici. Et voyons qu'est-ce qu'on pourrait améliorer d'autre. Non mais carrément pas, en termes de soins qu'il y a, ça sert vraiment à rien du tout. Hein. Ça sert que pouic. Bon allez. On est parti pour le quatrième. Hein. Quatrième. Et j'ai l'impression que j'ai les mères à vif là directement. Parce que là, carrément, je suis bouillonnant du cerveau. Allez, on reprend. Et allons-y. Putain. Son lance-enquête fait trop. Attends. Mais attends! Allez hop. Ah ok, je vois, c'est pour se lancer des sortes de grenades. Mais moi je comprends mieux celui que... Celui qui explique. Ah ok, ça c'est pour ajouter de l'huile, d'accord. Mais on... Bon, il mange ça. Ok, ça sert à rien. C'est mieux d'au coup de prendre l'autre. Hein. Et hop. Hop. Tiens. Mangez ça. Mais là, elle fait vachement lourde, mais... Oh la vache. Est-ce que je vais faire une ellipse là au bout d'un moment? J'ai envie de dire non, hein. Alors là, on est carrément, je peux dire, sur un boss qui va être putain de relou. Ah non mais carrément, ok, donc si carrément tu expliques pas assez, je peux dire, tes autres personnages là, mais tu vas te faire encore poutrer comme d'habitude. Réfléchis. Alors par contre, ceci, y'a pas un meilleur là? Non, celui-là c'est celui auquel j'ai... Voici celui auquel j'ai rajouté. Je vais plutôt mettre celui-là à la place. Et donc, c'est vrai qu'il y a la grosse hache là de bebe. Bon allez, on met celui-là sinon faut au pire. Et donc du coup, pour range, mais quoi? Qu'est-ce que je peux mettre? Bon, je chante celui-là même si ça doit coûter 2. Allez, on est en partie pour combienième? 4ème ou 5ème? 6, je pense pas trop. Mais là, carrément, que je me dis que là, je vais mais, me faire ratatiner au cul, hein. La lettre Q, pas les fesses. Alors, tu tapes là quand tu es proche de l'ennemi. Allez hop. Oh putain, c'est plus les petits qu'il faut s'en occuper en premier. Et hop. Et hop. Hop là. Patiente. Et ensuite tu martyrises. Hop. Un autre coup encore. Encore un autre coup. Bon, pas rentrer. Hop, un petit S. Saute. Bon, saute. Non. Fallait se mettre plutôt sur le côté. Et... Mais j'en parle, j'ai de la vie, j'ai en train de penser. Bon, ta gueule, avec cette phrase-là, j'en ai pas le cul à force d'entendre, hein. C'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste? Mais oui. Attends. Allons mettre du soin. J'en ai pas foutu. Et en plus, j'en ai foutu qu'un seul. Du coup, mettons plutôt ceci. Et du coup, pour le reste... Parce que j'en mets trop bien à chaque fois.
que du 3. Donc, non, pas de choix. Bon, allez, on va rentrer là. Changeons, revenons plutôt sur Jessica. Parce que elle, elle a besoin de beaucoup d'XP aussi. On est en partie pour une cinquième fois au petit Billy Bush. Pour les bottes d'écu surtout. Patiente, patiente, patiente. Ensuite tu fonces. Et quand l'adversaire est proche de toi, là tu peux te taper. Allez. Mais c'est pas pour tes lames de Dieu, Link. Hop. Oui, 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 oui. Non, non, pas chez toi, pas chez toi. Voilà, et ensuite tu frappes. Voilà, comme ceci. Comme ça, tu donnes bien les coups comme cela. Ils sont un peu pour tout le monde. Allez, hop. Voilà. Toi, t'as pas au sol. Soin. Ah non, mais non, c'est plus mets-toi sur le côté. Attends, patiente. Arrêtez me fou devant vous. Hop. Hop. Il vaut mieux qu'ils soient par exemple sur tous dans le même coup, comme ça tu peux les autres. Allez vite, con. Oui. Bon, il y en a un qui est éliminé, ça c'est la bonne nouvelle. Allez, c'est le dernier. Et... Oh, putain, j'étais au bout, nom de Dieu. Bon, j'en ai plein le cul là. Je sens devenir fou, moi. Et moi, je sens que je veux devenir fou. Je vais devenir fou. Je le dis, hein. Bon. Allez, hein. Non, non, je suis sûr que ça passe là. J'ai trouvé une bonne tactique, je suis sûr que ça peut y aller. Et rentrer dedans aussi. Et... Bon là carrément j'ai fait trop de la merde. Trop de la merde. Non mais là ta gueule, hein, c'est pas possible. Non. Je suis sûr d'avoir trouvé la bonne tactique, c'est jusque là que j'arrête pas de faire de la merde à chaque fois. Mais franchement vraiment foncé dans le tas. Mais je me demande en fait si au lieu de rajouter par exemple un gros matos à Jessica, je mettrais pas plutôt une épée. Bon attends, si je meurs carrément quoi, je lui foutrais ça, parce que là carrément c'est pas possible hein. Mais si c'est possible avec la carte Kiwi. Non là, c'est pas possible avec la carte Kiwi hein, parce que là carrément, ça devient retondant. Hop. Là, tu patientes, et dès que c'est bon, là tu charges. Voilà, comme ceci. Hop là. Hop. Pas trop, tu attends, et là tu y vas. C'est-à-dire que si tu temporises à fond, tu n'utilises pas trop la jauge de tension, tu y vas. Parce que la jauge de tension, elle se répare là que si par exemple là, tu patientes un peu. C'est comme souffler. Bon, et tu vas te manger ça là. Comme ça descendra un bon coup là. Patiente. Trop tard. Attends. Hop là.
Un réglé. Attends, vite, le soin. Alors, faut plutôt m'occuper de elle. En plus, elle est pas facile. En plus, elle est facilement cassable, hein, je suis en train de penser. Et hop, petite bombe. Voilà. Donc, pas tout de suite. Et hop. Hop. Attention. Voilà. Et maintenant, c'est entre toi et moi, ma belle. Mais... arrête de t'enfuir comme ceci. Attends, du soin. Comme ça, je ne me retrouverai pas comme un con non plus. Allez, hop. Attends. Calme-toi. Et... enfin, je t'ai battu! Fuck, putain! Oh. J'en ai plein le cul. J'en peux plus. Aïe, ouille, j'ai même la main. Mais bon, au moins, on a réussi, c'est l'importance. C'est bon. Du coup, c'est bon, les 4 dirigeables, ils sont faits. Allez, pardon, la vache. En ce moment, lui, il est à plat. Hein. Il est venu une planche. Il a fait... pouf. Bon, attends. Attends quand même. Allons faire par exemple une sauvegarde parce que là c'est bon. Donc là on a fait donc, je peux dire, les 4 combats qui sont dans les dirigeables. Oui, les 4 dirigeables sont battus. Ou par exemple, il y avait chacun, je peux dire, un détecteur dedans qui bien sûr était les amis de Ban. Et donc du coup, c'est quoi le truc? Est-ce que c'est pas normalement genre on va contre le dirigeable pour les poser en bas et que là par contre ça va nous donner la révélation? Oui. Hop. Et bon, plus qu'à les poser. Voilà, hop, et donc du coup, c'est bon, ils sont tous posés, et donc maintenant, on devrait normalement se retrouver, je peux dire, sur un point central, où on pourra donc, je peux dire, normalement, tous se retrouver, et apparemment, là où sont normalement concernant le lieu, est-ce que c'est bien auquel je pense, vu que normalement j'ai vu l'animé, mais vu que par exemple ce jeu et l'animé sont un truc, je peux dire, dans un cross-média, donc normalement, je peux dire, il y a normalement un peu le même scénario, sauf que par contre, dans le jeu, c'est très différent que celui de l'animé. Parce que dans celui de l'animé, il y a un peu des sortes de rajouts par entre là pour le côté un peu, je veux dire, divertissement et tout. Hein. Et donc, en gros, là, il faut aller, c'est le truc du Océan Museum. En gros, qui est représenté par un coquillage avec sa perle. Voilà. L'Australie, donc, dans le Océan Museum. Et donc, c'est ici on se retrouve. Et donc, normalement, je crois bien que normalement, c'est ici, je peux dire, normalement, la suite de l'aventure. Et, ok, danger. Donc, je me dis que si j'y vais par contre, il y a des EBX dans toute la zone. Très bien. Alors, attends. On fait une sauvegarde. Comme ça, quand on démarra, on démarre ce gros globe, carrément. Et, on va plutôt s'arrêter ici. Non, on veut pas. Si, on s'arrête là et je suis gavé. Bon, allez. C'est la fin de cet épisode, donc, sur DoubleCKW. Like, comment, partage, abonne-toi, clique cloche, à son Twitter, TikTok. Et donc, littéralement, prochain épisode, on va carrément découvrir ce lieu qui est le Océan Museum en Australie, donc à Sydney, pour rappel, à Sydney. Et donc, du coup, je sens que ça va être assez particulier. Mais normalement, c'est là, je vais dire, normalement, où il y a la suite de l'aventure. Après, aucune idée si vous voudrez aller à gauche ou à droite, alors là, tout dépend. Et bien, putain, il y a des billes qui sont de level 36, mais je sens que je vais faire poutrer, hein. Bon, allez, pas d'autre choix. Allez, tchuss!